peu avec Marc Tessier, agent d'information de la Sûreté du Québec, pour parler ensemble, en fait, de l'incendie qui s'est déclaré hier, le 7 décembre, au 70 Avenue Providence. Qu'est-ce que vous pouvez nous mentionner concernant cet incendie? Donc, c'est les services d'urgence qui ont avisé les policiers qu'il y avait un incendie vers 18 heures. On parle d'une résidence qui est abandonnée, donc pas de service, électricité, autre. Donc, suite, lorsque l'incendie était éteint, le dossier était transféré à la Sûreté du Québec. On parle d'un incendie suspect. Donc, il n'y aura pas de scène qui va être effectuée par les techniciens, étant donné qu'il n'y a plus de scène à faire. C'est détruit complètement. Donc, c'est le service des enquêtes là, du poste de la MRC qui va poursuivre l'enquête afin de déterminer les causes de l'incendie. Il y avait plusieurs personnes là, qui, on voyait ça sur les médias sociaux, qui parlaient d'une pratique. Parce que, est-ce que cet immeuble, cet établissement, cette maison devait être détruite? Est-ce que vous avez cette information-là? Oui, cette maison devait être détruite, mais par contre, elle était incendiée avant que ce service-là soit effectué. Donc, c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un incendie possiblement criminel. Est-ce que vous savez le nombre de pompiers qui ont été déplacés sur place de la ville de la chute? Est-ce qu'il y a d'autres policiers de d'autres municipalités qui se sont joints? Non, il y a eu sûrement que les policiers là, de la MRC qui se sont présentés. J'ai pas le nombre de pompiers, par contre, qui ont été nécessaires pour éteindre l'incendie à ce niveau-là. Donc, pour la suite des choses, c'est vraiment une enquête qui est en cours au niveau de la Sûreté du Québec, de la MRC d'Argenteuil? Oui, c'est bien ça, pour tenter de déterminer la cause de l'incendie et s'il y a des suspects, pour tenter d'identifier les personnes qui seraient possiblement responsables de l'incendie. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Je ne crois pas que cette maison était habitée, mais... Non, il n'y a aucun blessé lors de l'intervention.